Merci, merci vraiment. Merci beaucoup d'être venu à cette fête. Merci, 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 merci. Ah, t'as pu venir aussi. Merci. Comment vas-tu? Ok, mais aussi. Hein. Oh, au barreau. Je ne sais comment te remercier pour avoir organisé cette fête pour mon fils. C'est rien, d'accord? D'ailleurs, il est mon meilleur ami. Il allait me tuer si je ne le faisais pas. Donc, je vais le faire. Je suis tellement reconnaissante. Pas de soucis. J'apprécie. Tu n'as pas à le faire, d'accord? J'apprécie. D'accord, merci. Alors, mettez-vous à l'aise. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup de nous avoir offert cette fête. C'est bon. Ton fils m'aurait tué si je ne l'avais pas fait. D'ailleurs, c'est l'ami de mon mari. Vous êtes vraiment incroyable. Merci beaucoup. Ma chère, n'es-tu pas sûre qu'elle utilise le charme sur cet homme? Peux-tu l'imaginer? Je le suspecte même. Comment peut-il laisser que le fils... de cette femme fête son anniversaire ici. Ma chère. Merci beaucoup. Assieds-toi, je vais t'apporter un verre. Merci. Ok. Pourquoi ne m'as-tu pas... Ma chère, même avant que l'accident se produise, elle n'est jamais tombée enceinte de lui. Dis-moi. Sa relation avec sa belle-mère est toujours mauvaise, n'est-ce pas? Celle-là, plus du tout d'espoir. Pourquoi ne m'as-tu pas fait part de tes plans? Tu sais que j'aime chaque opportunité de faire un truc énorme. Je voudrais faire pipi. Tu veux faire pipi? Oh! Joyeux anniversaire, mon bout de chou. T'inquiète pas, je vais t'y emmener, d'accord? On y va. Regarde-la. Tu as fait son bonheur. J'aime faire les choses simples. Ta mère sera si contente de voir comment tu te portes si bien. Merci. Je l'espère. Comment tu vas? Je vais bien. Ma chère, on y va. Ok, allons-y. Mon bébé, viens, on y va. Attendez, pour vos enfants, merci. Et toi, comment tu vas? Bien sûr que oui. Tu non, je ne veux pas juste imaginer. Tu ne veux pas prendre quoi? Je ne veux pas juste être vous êtes marge. On s'en va. Ok, bien. Non, vraiment, je n'aime pas ce genre de gâteau. On s'en va, au revoir. Non, merci, je n'aime pas ce genre de gâteau. Je préfère les marrons. Ah, ok. Eh bien, comme je te le disais, tu vas. Oui, je comprends. D'accord, vous prenez soin de vous alors. Bonne nuit à vous. C'est à qui ce truc? C'est à moi. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, je vous remercie beaucoup. Mais pardon. D'accord, merci. Bonne nuit. Bye. Tu vas bien? Oui. Je devrais peut-être vous aider à nettoyer. Ah, non. Ne vous en faites pas. Je vais m'occuper de ça. Vous pouvez partir maintenant. Merci. Oh,
Ok. Donc alors, on se reparle plus tard. Ouais. Ah, ok. Bien. Le garçon était tellement content. Bien sûr, il était. En fait, tu dois bien fixer tes priorités. Ok, ce n'est pas une thérapie, d'accord? Alors ne fais pas semblant de faire une de tes sessions avec moi. Je suis ton mari, pas ton passion. Vraiment? Quoi? Elle ne travaille pas aujourd'hui. Pourquoi est-elle venue? Elle est venue m'aider, ok? Tu n'étais pas encore là. S'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai quitté mon travail à cause de toi. Cette réunion était capitale, je ne pouvais pas la rater. Pourquoi ferais-tu cela? Je viens de te donner une raison. Pourquoi laisserais-tu ton travail pour moi? Je n'ai pas besoin de pitié, ok? Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Oh, Barreau. Tu sais que c'est le cas. Vraiment? Oui. Parce que tu étais censé rester et me regarder faire. Me soutenir, ok? Mais c'était carrément introuvable. Toi également, tu n'étais pas disponible. Ok? Je devais travailler. C'est pour ça que t'as envoyé ça. Eh bien, nous nous sommes séparés. Et je devais te donner ce que tu voulais. De l'espace. J'espère que tu es content maintenant. Quoi? Tu crois que je suis content? Hein? Tu crois que je suis content? Que penses-tu que je voulais? Tu sais, j'en ai terminé avec cette conversation. Ah non, ce n'est pas fini cette conversation. Terminé. On n'en a pas terminé de cette conversation, tu le fais tout le temps. Arrête, s'il te plaît. J'ai dit à Maman Rugoé, je lui ai dit de ne pas s'occuper de tout ce qui concerne Ufioma, mais elle ne m'a pas écouté. Elle fait trop de commérages. Ma chère, tu sais que je suis née de nouveau. Je ne me mêle plus de ces choses. Hein? Oni. C'est qui ça? Bonsoir, Oni. Qui est-ce que je vois là? Maman. C'est qui brille comme ça? Maman. Qu'est-ce que je vois là? Brille. Qu'est-ce que je vois là? Maman. Qu'est-ce que je vois là? Brille comme une étoile. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas dit que je venais, non? Je voulais te surprendre. Je suis surprise. Qui est cette reine? Ça, c'est le mot juste. Hein? La reine. C'est ma reine. C'est ma reine. Comme dans... Oui, maman. On a augmenté un autre niveau. Go, 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 go. Hey, les voisins, venez écouter ça. Hey, tu es venu avec une femme. Je suis venu avec une femme. Hey. Tiens, ta soeur, va chercher une chaise. Ok, ok. Assez. Hey, mon enfant. Mon fils est venu avec une femme. Hey, monsieur. Hey, j'avais peur. Peur d'être comme ces gens qui n'auront jamais de petits-enfants. Hein? Non, maman. Ha! Ah, Oni, merci de l'avoir accepté. Vraiment, merci de l'avoir accepté. Que Dieu te bénisse de l'avoir accepté. Je suis tellement contente. Ok. Vois, ma chérie. Je suis contente. Sois la bienvenue, mon enfant. Sois la bienvenue. Regardez merci, comment maman. Elle est belle. Merci. Elle s'appelle Isosa Ozagi. Hein? Et elle détient mon cœur. Merci Isosa. Beaucoup. Merci, Isosa. Maman. Isosa. Attends. D'où est-ce que tu viens? Vas-y. L'état des dômes. Sente Jésus. Sente Jésus. Sente Jésus. Sente Jésus. Tu es venu avec une femme de Bénin chez moi? Sente Jésus. Sente Jésus. Saint-Esprit, feu. Saint-Esprit, mets-la dehors. Saint-Esprit, mets-la dehors. Saint-Esprit, mets-la dehors.
dehors. Cet esprit, mets-la dehors. Sans du Christ, couvre-moi. Sans du Christ, couvre-moi. Sans du Christ, couvre-moi. Maman, amen. Tu vas la mettre dehors. Ils ont dit qu'ils viendront me chercher. Attends, Romy, attends. Calme-toi. Elle est encore là. Non, calme-toi. Sans du Christ, dispersez toutes les malfaits. Toutes les fois, c'est bon. C'est bon. Sans du Christ. Bébé, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé du comportement de ma mère. C'est inexplicable. Je m'excuse pour ce qu'elle a fait, ok? Je suis tellement désolé. Alors qu'allons-nous faire? Je pense que ta mère me déteste. Je vais la convaincre, ne t'en fais pas. Je te promets, je vais lui parler, je vais la convaincre. Le truc, c'est que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, mais c'est avec toi que je veux être, et personne d'autre. Tu comptes plus que tout pour moi, ok? Je suis bébé. Tellement désolé, bébé. C'est d'accord? Bon. C'est ok? J'espère qu'elle va m'accepter. Elle le fera, je te promets. Tu es sûr? D'accord? On est bien? Oui, oh, c'est bon. Merci, infiniment, je t'aime. Ok? Ok. Alors, comment s'est passée la réunion aujourd'hui? C'était bien. Mais je n'ai pas pu rencontrer le professeur. Il était hors de la ville. Et comment avance ton projet? J'ai eu de nouveaux livres aujourd'hui. Vraiment? Ne venais-tu pas d'avoir tout ce qui avait été recommandé? Oui, mais il y a toujours quelque chose que l'on peut améliorer. Ah, bien sûr, bien sûr. Ok. Hey! Pourquoi ne dors-tu pas ici ce soir? Je ne suis pas encore là-bas. Je dois... Encore une excuse. J'ai besoin de toi, ok? Je veux que ça marche entre nous. Je ne cherche aucune excuse. Je n'en suis juste pas encore là. Et quand seras-tu là? Hein? Là, je suis en train de faire un effort. Il me faut juste du temps pour que je puisse savoir ce que je veux vraiment. Ce que tu veux vraiment? Et t'es sérieux? C'est tellement égoïste. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Je ne sais pas. T'as raison. Bonne nuit. Ferme la porte. Je me suis endormie. Salut bébé. Bonjour. Tu devrais dormir la nuit. Il y aura le temps pour ça. Tu sais, je ne vois pas pourquoi tu es si inquiète. Ta soutenance est encore à des lustres. J'ai beaucoup à faire. Tu ne voudrais pas que je la rate, n'est-ce pas? Avec un cerveau surmené? Hein? Tu devrais avoir une façon d'atteindre ton but. Mon cerveau n'est pas surmené. Mais pourtant, tu te comportes de la sorte. Comment est-ce que je me comporte? Viens là, bébé. Donne-moi ta main.
Repose-toi, bébé. Repose-toi. Le professeur me dit. Il m'aurait guidé à travers tout ceci. Je ne me comporte pas aussi mal, pas vrai? Bien. Peut-être que t'es juste débordé par ton master, tu vois, et ton master. Et t'as peur des gens. Je n'ai pas peur des gens. Je hais juste les rassemblements. Des gens? C'est juste un trouble. Rien de grave. Waouh. Regarde qui admet qu'il a un problème. Comment comptes-tu défendre ton projet de manière convaincante devant ces examinateurs? Le fait que tu te sentes à l'aise sur scène, devant le monde entier, ne signifie pas que les autres en sont incapables. Innocents, jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, tu n'étais pas là quand j'ai eu ma licence professionnelle. Tu n'étais pas non plus là, lors d'une de mes performances. Salut, bébé. Salut, bébé. Comment tu vas? Je vais bien. T'es très jolie. Ah, oh, comme toujours. Qu'est-ce que tu regardes? Oh oui, cette émission que je disais que je voulais regarder. C'est ma première fois de la regarder, en fait. Donc... Ok. T'es d'humeur, n'est-ce pas? Ouais, comme si tu l'es pas aussi. Allô? Ouais, je serai là d'ici peu. Je serai là. Ok, à bientôt. Bébé, il faut que je rejoigne mes amis. Non. Non, 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 je te promets... Non, c'est toujours ce que tu fais. Depuis que nous sommes mariés, tu fais toujours ça. Je vais me rattraper. Je vais me rattraper, bébé. Quand je vais rentrer, nous allons reparler, d'accord? Quand auras-tu du temps pour nous, bébé? Bébé, t'es superbe. Nous allons reparler quand je rentrerai, d'accord? Bébé, ce n'est pas drôle. Arrête ça. Non, non, c'est pas censé être drôle. Je t'aime. Il croit que c'est une blague. J'ai dit que tu n'iras nulle part, Oparo. Oparo, j'en ai marre, non? Oparo, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée! Je le fais pour le travail! Vous me cherchez! Je m'en fous! C'est trop! Tu fais ça à chaque fois! J'en ai marre! Je suis fatiguée! Reste à la maison avec moi! C'est mon travail! Ce que je fais pour faire! Après, quand je sois marié, alors t'arrêtes de te comporter comme un enfant et laisse-moi aller au travail! Tu n'iras nulle part, Oparo! D'accord, Oparo, laisse-moi! Tu vas le faire par la force! Laisse-moi tranquille, Oparo! Bouge! Laisse-moi! Non! Oparo! Tu dois arrêter ça! Oparo, c'est inacceptable! Je le fais à chaque fois. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de ce putain de style de vie. Hein? Oparo, tu me laisses seule à la maison. Je suis censée faire. Hein? Tu n'auras même parlé à moi-même. C'est quoi cette merde? J'en ai marre de ce mariage. Oparo, tu feras mieux de revenir ici. J'en ai marre. Tu es fatiguée. N'importe quoi. Es-tu le seul à aller faire des répétitions? Je suis fatiguée. Tu vas revenir ici et me trouver. Non, bébé, je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus faire ça maintenant. Je ne peux pas être dans un mariage où je mentis l'attention. Non, tu ne peux même pas me parler de ça maintenant. J'ai pris ma décision. Prends soin de toi, je t'appelle plus tard. Allô, avocat John. Je crois qu'il est temps de lui envoyer la lettre. Oui, envoie-la au bureau. Merci. D'accord.
Ah. Oni, on ne savait pas que t'arrivais. Bienvenue. Eh hey, je sais que c'est ce que les gens intelligents font bien. Quand quelqu'un entre chez eux, la première chose c'est de saluer. Au moins, je sais que je t'ai bien élevé. Un adulte, tu le salis d'abord. Ok, Souza, va ranger ses affaires, s'il te plaît. Hey! Je ne me suis même pas encore installée, j'en vois déjà des gens maléfiques m'attaquer. J'ai des mains, merci. Est-ce que je peux aller vous faire un truc à manger? Ah, maman, mais elle t'a posé une question. T'aurais dû nous prévenir avant de venir. T'aurais dû nous aviser. Donc, quand je dois voir mon fils, je dois informer toute la ville de Lagos. Tu nous prévenir que tu venais parce que cette maison est sous et moi et non celle de papa et toi. Désolé, oh, le patron de la maison. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, hein? Tu veux que je reparte? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. T'aurais dû me prévenir. Épargne-moi ça. Où est-ce que je dois garder mon sac? Je vais aller garder mes choses avant de m'occuper du reste. Laisse les Souza aller les ranger, maman. Hey, toi qui n'es qu'une pauvre banane mûre, si tu touches ces sacs, hein? Ce que je ferai à ton joli visage, hein? Ils publieront le reste de ton visage en première page dans les journaux. Ce n'est pas du tout nécessaire. T'as pas le droit de parler ainsi à ma femme, maman. T'as pas à parler ainsi à ma femme. Hein? Comment tu vas? J'espère que tu te portes de plus en plus bien. Je vais bien. À te voir avec un visage pareil. Ton visage est semblable au pain abandonné dans un frigo éteint. Attends, hein? J'ai des choses à faire dans ma maison. Si c'était que tu te portais bien, je n'allais pas venir ici, oh. Mais arrête de crier, arrête de crier, je suis pas le seul à vivre ici, arrête de crier. Tu cries trop. Tu viens d'entrer à la maison, tu fais que crier, 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 crier. C'est quoi? C'est ça. C'est la guerre? Ah. Maman. Oh. Maman, bienvenue, oh. Voisine, bonjour. Tu es venue? Oui, je suis là. Bienvenue. Mais attends. Comment as-tu su que j'étais là, hein? Tu m'as vu dehors? Comment ne pas, hein? Ta voix est tellement haute qu'on l'entend d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai entendu ta voix, oh. Alors je me suis dit que je devais venir te souhaiter la bienvenue. Merci, tu as bien fait, tu as bien fait. Comment les enfants? Ils vont bien, oh, ils sont à la maison. Ils ont mangé? Ils ont mangé, maman. Ils ont bu de l'eau? Oui, maman, ils ont bu de l'eau, ils vont bien. Il faudrait t'assurer de leur donner beaucoup d'eau. Je me suis dit que je devais passer te saluer alors que j'ai entendu ta voix. Donc ce n'était pas bien de passer comme ça. Je vais revenir, hein? Ne reviens pas vite, oh. Je vais d'abord me reposer. Maman, je vais revenir. Au revoir. Bye bye, maman. Merci. Regarde comment elle est belle. Merci, okay, maman. Au revoir. Bye bye. Merci. Que Dieu te bénisse. Regardez-moi ça. J'ai entendu ta voix ici dehors. Mais j'aurais dû venir me rejoindre. Hey. Regardez-moi comment elle est énorme, comme un gros ballon qu'on voit partout. Si être énorme est un travail, tu vas être la meilleure. Même explosée, elle est énorme comme un océan. Je vais chercher un truc qui pourra me... Dégage de mon chemin. Bébé... Oui, qui est là? Un instant. Salut. Elle n'est pas censée être là aujourd'hui. Ah, elle est là. Qui est là? Hello. Mon enfant. Regardez-moi une belle fille. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Ma chérie, j'ai pris le premier bus. C'est pour ça que je suis vite arrivée. Tu sais, j'ai été surprise quand tu as appelé. Comment tu vas? Tu n'es pas mal non plus. Oh bah oh. Je me porte très bien. Mon enfant, merci. C'est Dieu lui-même qui te bénira. Dieu te bénira pour tout le travail que tu fais sur lui. Oh, maman. Il te bénira. Personne m'a dit que c'était la journée des retrouvailles. Salut. Hey. Je croyais que tu étais au courant. Que tu venais ou... Oh, attends. Hier. Ta
mère sera si contente de voir que tu vas bien. Merci. Je l'espère. Excusez-moi, je vais t'avoir gardé ces choses. Non, je reviens. Donc tu lui as dit que tu venais vers moi? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de me harceler depuis que je suis arrivée chez toi? C'est à cause de ta femme? Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Tu viens chez moi et tu ne m'informes pas du tout. T'informes plutôt quelqu'un d'autre qui n'est pas de la maison. Eno, aide-moi à juger cette affaire. Hey, Ogana, j'ai souffert. Je suis venue ici avec un ventre vide pour voir si mon fils se portait déjà bien. Hein? C'est un mauvais truc que j'ai fait. D'autres te diront merci, mais mon fils ne fait que me réprimander. Qu'est-ce que j'ai fait qui est différent de mes égaux, non? Ogana. Peut-être je reviendrai un autre jour. Attends. Donc, tu savais qu'elle venait? Elle m'a demandé de ne pas te dire. Elle t'a demandé de ne pas me le dire? Elle t'a... Non, mais t'es sérieuse? Tu sais quoi? J'en ai marre de tous ces arrangements, de tous ces messages. J'en ai marre de tout ça. De quoi est-ce que tu parles? Vous jouez avec ça? Hein? Vous croyez que c'est une blague? Vous croyez que ça me plaît d'être dans cette chaise? Cette thérapie était une idée de ta mère. Et tu sais à quel point elle peut être persuasive. En plus, je veux que tu te portes bien. Ok, c'est super. Mais Souza est là pour remplir ce vide, ok? Ce qui veut dire? Ok. Je suis désolé. Je ne voulais pas m'en prendre à... Je ne voulais pas lever le ton, ok? C'est ma mère. Elle est tellement frustrante. J'en ai marre. Je veux dire, elle n'est que là depuis quelques heures. Et j'ai envie de m'enfuir et de lui laisser cette maison. Et tu ne connais même pas toute l'histoire. Je suis désolé d'avoir haussé le ton. Je ne voulais pas le faire. Tu as besoin d'aide? Non, ça ira. Ok, je sors. Je dois voir un client. Qui est là? Salut. Je voulais te demander, est-ce que je peux prendre un bol à la cuisine? Ok. Merci. Nous avons une invitée, ok? Je ne veux pas m'occuper d'elle tout seul. Elle n'est pas ici pour qu'on l'accueille. Elle est là pour le travail. Au barreau, le travail. Je croyais que tu avais mis le travail et d'autres trucs de côté pour que tu puisses plus souvent être à la maison pour qu'on... Pour qu'on travaille sur nous. Nous, tu as dit? En ce qui me concerne, il n'y a pas de nous. Qu'est-ce que c'est supposé dire? Peu importe ce que ça veut dire. Pourquoi n'arrêtes-tu pas d'éviter ça, hein? Pourquoi n'arrêtes-tu pas d'éviter cette conversation? Hein? Il faut que j'y aille. Continue de t'enfuir, ok? C'est ce que tu fais, tu t'enfuis. Elle s'appelle Issoza Ouzagi. Hein? Issoza. Et elle détient mon cœur. Attends! D'où est-ce que tu viens? Vas-y. De l'état des Doma. Sente Jésus. Sente Jésus. Sente Jésus. Sente Jésus. Tu es venu avec une femme de Bénin chez moi? Sente Jésus. Maman. Sente Jésus. Saint-Esprit. Attends. Saint-Esprit, mets-la dehors. Saint-Esprit, mets-la dehors. Saint-Esprit, mets-la dehors. Saint-Esprit, mets-la dehors. S'il te plaît, je t'en prie. Je suis vraiment désolé du comportement de ma mère, c'est inexplicable. Je m'excuse pour ce qu'elle a fait, ok?
Je suis tellement désolé. Alors qu'allons-nous faire? Je pense que ta mère me déteste. Je vais la convaincre, ne t'en fais pas. Je te promets, je vais lui parler, je vais la convaincre. Le truc, c'est que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. C'est avec toi que je veux être, et personne d'autre. Tu comptes plus que tout pour moi, ok? J'ai dit que tu n'iras nulle part. Mon père, j'en ai marre, non! Pas le droit de... Tu es tellement drôle. Tu es chaud dans du haricot. Ah, vraiment, c'est comme ça que ma sœur de Bayelsa le cuisine. C'est ce qui va se passer demain. Si tu le cuisines, je vais le goûter. Cuisiner où? Ici. Avec vos choux ici qui ne sont pas bons, qui n'ont pas de goût là. Maman, je ne peux pas manger ça. Accompagne-moi à la porte. Bonjour, ma. Viens, allez. Commence à partir. Il y a des embouteillages. Il ne faut pas que les mauvaises ondes te tombent. Dépêche-toi. Maman. Oh mon Dieu. As-tu mangé? C'est... J'espère que ta mère va arrêter de me mettre la honte devant tout le monde. C'est pour ça que tu t'enfuis. Tu ne vas pas aimer ce que je vais dire. Mais je pense que ta mère ne devrait pas être ici en ce moment. Alors c'est pour ça que tu t'enfuis? J'avais envie de me refaire des idées. On n'en fait pas quelque chose en s'enfuyant. Tu ne t'attends pas à ce que je la défie, n'est-ce pas? Elle me déteste. Qui a vraiment besoin de cette thérapie? Tu sais, Tu n'es plus comme tu étais avant. Bien sûr que je ne suis plus comme j'étais avant. Je n'ai pas été qui j'étais depuis que tu m'as remis les papiers de divorce. Je sais que tu n'es qu'avec moi à cause de cette situation. Arrête. Non. Tu sais quoi? J'en ai marre de tout ça, ok? J'en ai marre. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Reste loin de moi, ok? Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider. Tu vas me lâcher, oui? Hey! Comment tu vas? Ok. Ta copie des papiers de divorce, vu que l'autre a été détruite. Donc tu veux vraiment le faire? Tu pourras les signer quand tu le voudras. Oh, sans toi libre. Nous pouvons pas arranger les choses. Hein? Je veux dire, je suis là maintenant. Je ne vais plus nulle part. Allez, réglons les choses. Je t'en prie. Je crois que tout a été brisé. Ça veut dire quoi, a été brisé? Et Souza? T'avais raison.
Ne me touche pas. Reste loin de moi. Ok, ok. Bébé, j'espère que tu vas bien. Waouh, regarde qui est là. Maman! Ah oh, oui, mon bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Dis, tata, t'as bien traité? Oui. Oh, salut, Uche. Tu m'as fait attendre. Je suis vraiment désolée, je sais, les embouteillages. C'est bon, c'est juste que je suis un peu en retard pour ma réunion. Ah, ok. Ça n'arrivera plus, je te okay. le promets. Ok, y a pas de soucis. D'accord, bye. Au revoir, tata Uche. Prends soin de toi, ma pupus. Je viendrai te voir, ok? Merci beaucoup, Ok, pas de quoi. Je te rappelle. D'accord. Ok, bye. Bye. Ok, mon bébé. Allez, entre dans la voiture. J'espère que ça va. Entre. N'oublie pas de mettre ta ceinture, ok? Mets-la de côté, ok? D'accord. Allons-y maintenant. Et mon bébé, fixe-le bien de ce côté, ok? Super. On peut partir. Dans cette maison avant qu'on ait épouse. C'est le même qui continue jusqu'à présent, aussi vieille que tu es. Regarde, regarde. Oh, Kenneth, tu es un parent. Cette chose est ici depuis que je suis arrivée dans cette maison. Je ne la lave pas. Mais maman, tu viens d'arriver ici. Hein? Moi? Tu ouvres ta bouche pour me répondre? Tu oses me défier? Je sais que tes gens sont puissants. Maman, je suis désolée. Hey! Arrête là! Ne me dis pas que je suis désolée! Laisse-moi te dire. Au cas où tu ne le sais pas. Je me suis préparée pour toi. Et mon Dieu ne me décevra pas. Alors cette chose qui te... Utiliser la nappe pour la nettoyer. S'il te plaît, arrête. J'ai envie de toi. Tu sais que je ne suis qu'ici à cause de ta... Ma mère, n'est-ce pas? Oui.
Bébé, ne fais pas ça, je t'en prie. Regarde-moi. Bébé, regarde-moi. Malgré tout, bébé, d'accord, sache que je t'aime. Tu m'as vraiment manqué, bébé. Oh. Bébé, c'est tellement difficile pour moi de vivre dans la même maison que toi et de ne pas faire les choses dont j'ai vraiment envie de faire avec toi. Je t'aime. Tu me manques. C'est comme ça qu'ils ne font que se tenir à l'écoute. Je l'ai dit, je l'ai dit. Pourquoi les gens n'aiment pas écouter? Ils t'ont averti, mais tu n'as pas voulu écouter. Il n'est pas sage. Regarde, il a porté l'enfant. Oya. Cours, 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 maman. Cours. Ah, hein? Mais c'est bruyant, c'est fort. Attends, il faut baisser le volume. Calme-toi d'abord. C'est encore laquelle? Comment on l'a réduit encore? Je pense que je... Donne-moi. Mais quelle est cette façon de visionner une télé, hein? Les gens dorment. Qui est-ce qui dort? Mais ma femme dort, hein? Oh. Moi-même, j'essaye de dormir. S'il te plaît, calme-toi. J'ai voulu veiller cette nuit, alors je me suis dit que ça pouvait me garder éveillée. Donc tu utilises ça pour déranger tout le monde, hein? Ne te fâche pas. Ce n'est pas ça. Si tu veux veiller, va à l'église. J'ai compris. Tu te fâches trop. Tu aimes trop te fâcher, hein? Comme tu as le sang chaud à chaque instant, c'est pour ça que tes pieds ne guérissent pas. Tu devrais te calmer pour que tes pieds guérissent. S'ils ne guérissent pas, ils deviendront comme ça. C'est comme ça que tu marcheras. Ressaisis-toi, calme-toi. Comment cet enfant a fait pour baisser le volume? Cet homme va déjà les arrêter. Il va les arrêter. Ça. Qui n'a pas besoin d'aide? Tout le monde en a besoin. Vraiment? Ouais. Je suis d'accord. Tout le monde a besoin d'aide. Donc, est-ce que tu vas souvent venir m'aider ici? Où ça? À la cuisine, bien sûr. Oh, oui, bien sûr. Eh bien, jusqu'à ce que la bailleure s'en aille. Ok. Je suis désolé pour l'année dernière. Je suis sûr. Ouais. C'est sûr. J'en suis sûr. D'accord. Tu es vraiment bon dans ce que tu fais. Hey, c'est la chose la plus facile à faire. Oh, t'en fais pas, je vais te donner. Non, ne me donne pas de couteau, s'il te plaît. Tu sais, tu n'as pas très souvent l'opportunité de parler. Tu oublies que c'est une mauvaise habitude. De parler en mangeant. Pas pour les adultes. J'espère juste que ce ne sera pas une tentative d'envoyer ma tête à nouveau. Je suis inquiète pour ton bien-être.
Je présume que c'est juste pour l'instant, n'est-ce pas? Quand va-t-elle venir? D'un moment à l'autre. Pouvons-nous continuer où nous nous sommes arrêtés hier soir, avant que ma mère ne nous interrompe? Tu sais, dans la chambre, toi, moi, nous, tu te rappelles? Oh, à propos de ça, peu importe ce qui s'est passé la nuit dernière, c'était une erreur. Ça n'arrivera plus. Une erreur, hein? Une erreur, tu dis? D'accord, super. J'ai perdu l'appétit. Je veux dire, la douleur est partie. Oh, je pense que c'est la thérapie. Comment se passe le travail? Bien, maman. Je continue à croire que cet accident n'est pas simple. Au barreau ne conduit pas mal. Il conduit comme son papa. La conduite souple. À chaque fois que je pense à cet accident, hein? Maman, ne t'inquiète pas. Au barreau ira bien. Mon mari est une personne meilleure. Qui ne le connaissait pas? Qui ne le connaissait pas dans son milieu de travail? Un homme bon qui prenait soin de sa famille comme un homme est censé le faire. La seule chose qui l'a détruite, une femme. J'ai supplié mon mari. Je l'ai supplié d'abandonner cette histoire de femme, ça ne paye pas. C'était difficile. Mais plus tard, il a accepté. Il a arrêté. Les choses se passaient bien. Puis il a voyagé pour Bénin. Il a rencontré une femme là-bas. C'est une véritable femme de Bénin. Et tu sais que les habitants de Bénin sont puissants. Tu comprends ce que je veux dire? Cette femme a volé mon mari. Ha! Cette femme l'a retenu. Elle a utilisé un charme puissant. Pendant des années, mon mari n'était pas lui. Elle l'a retenu jusqu'à le tuer. Ce n'est pas que j'aime juste avoir des problèmes avec la femme de mon fils. C'est parce qu'elle est de Bénin. Et on doit faire attention. Bénin. C'est pour cette raison que je ne suis pas moi-même à chaque fois que je suis à côté de cette fille.
Parce que véritablement, j'ai peur de cette fille. Salut. Ton mari récupère très vite. Je sais. Tu veux que je t'aide à... Non, s'il te plaît. Eno ? Où est-ce que tu es ? S'il te plaît, vas-y vite avant qu'un truc ne t'infecte. Vas-y. Okay, il y a des embouteillages. Ok, on se voit demain. Je couvre ma mamite avec le sang de Jésus. Eno est une belle fille, oh. Et c'est une bonne personne. Tu te rappelles quand vous étiez à l'école, hein? Cette première fois que tu es venue avec elle à la maison, tu l'as tellement appréciée. Léonie, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me sauter à la gorge? Laisse-moi atterrir, non? Alors que veux-tu que je fasse maintenant, hein? C'est sur moi que tu dis tout ça. Ok, que veux-tu que je fasse? Elle est toujours ma femme et j'ai toujours des sentiments pour elle. Sentiments? Est-ce qu'on a des sentiments pour des gens de Béni? Hey! Tu crois que je peux avoir des sentiments pour... Mais pourquoi cries-tu, non? J'ai peur de quelqu'un? Hey! Moi, je peux avoir peur de quelqu'un? Je reste sur un point. Rien ne se passera. Vous avez besoin de quelque chose? Je voulais juste savoir si... On avait besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Tu ne m'as pas vu ici? Tu n'as pas les yeux? S'il a besoin de quelque chose, il me le dira et je l'apporterai. Calme-toi. S'il te plaît, dégage d'ici, nous discutons. Bébé, c'est bon, ça va, ça ira. Merci, tu vas bien? Je vais bien. Disparais d'ici, non? Chou! Elle ressemble à une banane pourrie qu'on est sur le point de jeter. Arrête de parler comme ça, j'aime pas ça. Mais c'est quoi cette histoire? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je te parle des choses vraies sur une personne, une bonne fille. Qu'est-ce que tu dis? Bien élevé, hein? Tu sens cette odeur? Quelle odeur? Tu ne sens pas ça? Oh, Gana! Gana! Oh, Gana! Hé! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Hein? C'est la sauce que j'ai faite, Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est la raison maintenant? Je t'ai dit que j'ai dosé faussé les pas de ma soeur! Tu te fous de qui? Hein? Tu ne peux pas éteindre le feu, mais tu passes le temps à commérer. Cette sorcière. Oh, mais non, tu veux accuser Souza. Tu es une sorcière, une vraie sorcière. Honey, je veux que tu sortes de cette cuisine. Tu traites ma femme de sorcière. Je sais comment j'ai réglé ce feu. Dans ma maison. Je veux détruire cette maison, n'est-ce pas? C'est moi, hein?
C'est toi qui as tout planifié. Samuel, arrête. Elle a tout planifié. Arrête. C'est une sorcière. Arrête ça. T'es ici depuis 4 jours. 4 jours. Tu ne m'as rien apporté. Que des ennuis. Des ennuis. Tu dois partir de chez moi. Tu me cherches. Attends, de chez moi. Bébé, ça va aller. Désolé. C'est ma femme. Si tu ne peux pas être mère pour elle, alors tu ne pourras pas pour moi. Bébé, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ça. Vraiment navré. Va-t'en de chez moi. J'en ai marre. N'importe quoi. Ils font comme si je n'avais pas ma propre maison. Ah ah. Maman, tu t'en vas? Ah ah, maman. Mm-hmm. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais chez ma soeur Insuno. L'enfant que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, avec une semaine supplémentaire, c'est lui qui m'a demandé de sortir de sa maison. L'enfant qui a tété ses 2 sœurs. Tété comme un sorcier qui vit de le sang d'un innocent. Tété jusqu'à que ses dents poussaient et il m'a mordu avec. C'est ce même enfant qui m'a dit que ma bouche pue, que je sorte de sa maison et laisse sa femme respirer. Pas de soucis, c'est Dieu qui pourra régler cette affaire. Ça, au Guinée, j'ai souffert. Tantine, tu as oublié quelque chose? J'ai oublié mon téléphone. Maman est partie, celle-ci a oublié quelque chose. Dis-moi comment faire pour mieux t'aider. Eh bien, je suis ici pour m'aider, alors... Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Pourquoi es-tu si difficile? Je suis si difficile? Oh mon Dieu, tu ne peux pas être moins égoïste, même si tu l'essayais. Tu voudrais que je t'explique comment c'est si difficile de vivre dans cette chaise? Tu m'accuses pour ça? Mais de quoi tu parles? Qui est là? Salut. 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 Regarde ce que j'ai pour toi. La magie. Non mais, tu penses que je suis prêt pour ça? Je crois que tu es prêt. Tout seul? Oui, bien sûr. Tu es un homme très fort. Alors, tu vas te lever de cette chaise tout seul. Voyez-vous. Ok. Je vais essayer. D'accord. Ok.
Vas-y doucement, bébé. Non, non, ne me tire pas par l'arrière, s'il te plaît. D'accord. D'accord, c'est reparti. Fais pas partie. Carrément pas. Tu sais quoi? Les gens les plus intelligents que je connaisse n'aiment pas l'école. Oh. Quelqu'un serait-il en train de me traiter d'intelligent? Tu rends l'école intéressante pour moi. Ambaro. Est-ce que tu te sens nostalgique parfois? Tu sais, je le ressens aussi. Surtout quand je suis à la maison, toute seule. La plupart des gens le ressentent, tu sais. Mais, sauf moi. Peut-être parce que je n'étais pas souvent à la maison. Et maintenant? Non, 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 stop, stop, stop. Je suis désolée. C'est juste que... je m'inquiète tellement pour toi. Je n'ai pas besoin du tout que tout le monde s'inquiète pour moi. Au barreau, je pense à toi tout le temps. Si j'étais toi, je n'allais pas dire ça. Donc tu le savais. Que t'as des sentiments pour moi? Oh, ça... c'est évident. Je suis désolée. Ne laisse pas le sentiment prendre le dessus, ok? Ne le laisse pas faire. Est-ce que tu peux le dire au cœur? C'est un dieu à part entière. Il se fie qu'à ses désirs. Ok, ce n'est pas le bon endroit. Encore moins le moment pour ça. Ok.
Tu veux aller quelque part ailleurs? Arrête de forcer, ok? Reste juste à ta place. Je connais ma place. Tu penses que je ne sais pas que tu forces dans tout ça? Mais de quoi parles-tu? Tu essayes tellement. J'essaye de sauver mon mariage. Laisse juste ton cœur être libre. Ah, ok, c'était le mauvais jour pour toi de venir. M'a manqué. Pourquoi l'avons-nous perdu? Tu me le demandes vraiment? Vraiment? Je suis restée fidèle à toi. Et non, on a rompu. Et deux secondes après, tu sortais avec un professeur adjoint, ton ex. J'étais sous pression. De me quitter et de sortir avec lui ou bien de porter son enfant? Il m'a presque fait avorter. Bah, tu lui as donné le pouvoir de le faire. Au baron, j'étais sous pression. Par quoi? Absolument tout, ok? C'était ma dernière année et je luttais contre la rupture. C'est en ce moment que mon père a eu ce problème. Je suis venue à toi et ton ego ne l'a pas permis. Moi? Oui, toi. Henri se souciait. Il m'a aidé pendant les résultats. Mais toi, tu te pavanais avec des filles en disant qu'elles étaient des danseuses de ta bande. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Ça, c'est une plainte que ma femme devrait faire, pas toi. Eh bien, peut-être qu'elle ne le dit pas assez bien. Ok, tu n'as pas besoin de le dire. Je suis désolée. Tout ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ça. Eh bien, peut-être si t'étais avec moi, tu n'allais pas monter sur cette moto. Est-ce que c'est ce que la nostalgie fait aux gens? Non, c'est ce qui arrive aux gens, qui les rendent nostalgiques. Thank you.
Professeur Isiwo. Je suis sûre que vous avez été très occupé, monsieur. Oh, merci beaucoup, monsieur. J'attends avec impatience. Ok, monsieur. D'accord, monsieur. Vous aussi. Au revoir, monsieur. J'espère que je n'ai rien interrompu. Non, non. Non. Rien du tout. Ok. Excusez-moi. Je suis désolée. Ouais. Ouh. Pour la journée. Ouais, rapide. De bons progrès. Oui, donc je dois partir maintenant. Ok. Oh, oui. Ouais. Ok, donc je vais prendre mon sac. Ouais. Donc j'ai eu le sac. On se voit plus tard, d'accord? Oui. Bye. 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 Tu veux un truc à manger? Je t'ai posé une question. Tu veux un truc à manger? Ok. À quoi pensais-tu quand tu m'as envoyé ces papiers de divorce? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Quoi? Oses-tu dire ça? Je ne t'ai jamais trompé. Alors pourquoi ferais-tu cela, hein? Pourquoi me les as-tu envoyé? Je voulais sortir de ce mariage. Un mariage où il n'y a pas d'enfant. Un mariage où ta mère me déteste. Oh. Oni n'est plus ici. Qu'en est-il d'elle? Il s'agit de toi. Quoi donc? Ou alors c'est moi? Hein? Ou c'est en rencontre avec le professeur, l'encadreur? Ce n'est pas ça. C'est non. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es mal à l'aise avec elle. J'ai eu une histoire avec elle. Comment veux-tu que je me comporte? Elle était ton ex! Ouais, c'est bien, tu parles, continue de parler. C'est le premier pas pour résoudre un problème. Quel problème? Ok, j'en ai marre de cette anxiété. Ok? C'est pour ça que t'es presque jamais à la maison, toujours en train de fuir je ne sais qui. Tu étais rarement à la maison. Exactement, aussi. Exactement, ok? Ta confiance est seulement devant toi, ok? Même à toi-même, tu ne peux pas faire face.
Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu affrontes tes problèmes, ok? Commence par ce qui te dérange. J'ai déjà essayé ça. Quand? Avec toi. Ok, pas du tout, Esosa. Je suis le dernier de tes soucis en ce moment. Pourquoi? Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Pourquoi ne me donnes-tu pas la chance de t'aider à surmonter cette... Dis-le. Dépression. Tu lui facilites la tâche à elle. Et tu racontes partout quel est ton miracle. Continue de parler, ok? C'est ton progrès. Nous faisons des progrès, d'accord? Elle ne fait rien de spécial. À part développer tes muscles. Pourquoi ne me laisses-tu pas être ton miracle? Non, ce n'est pas une compétition. Je ne me compare pas à elle. Mais t'es pas sûre de toi. Tu sais quoi? Tu dois la laisser partir. Tu peux bouger tes pieds maintenant. Son travail est fait. Et rester avec qui? Reste avec moi. Avec moi. Je croyais que tu ne voulais plus de nous. Parce que je commence à considérer cette option. J'ai beaucoup fait en avalant cette négligence. J'ai été mise de côté pendant très longtemps. Tu ne réponds pas à ma question. Ok? Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas à l'aise avec sa proximité à ton égard. Ses services ne sont plus nécessaires. Ok. Faisons marcher. Ok? Demain, quand elle viendra ici, que ce soit ce que tu lui diras à la porte. Ok? Ne dérange pas, ok? Tu vas rester dans cette boutique aujourd'hui. S'il vous plaît, madame, juste pour aujourd'hui. Tu n'iras nulle part. Tu ne vas pas mourir. Tu vas rester. Ah, bah tu crois ça? Ah, ah. Esosa. Bonjour. Sois la bienvenue. Bienvenue. S'il te plaît, j'ai besoin du savon en poudre. S'il te plaît, viens la servir. Ah. Tu es éblouissante. Comment va au barreau? Il va bien. Merci. Je t'assure, t'es vraiment ravissante. Je t'assure. Je veux aussi être comme toi, Ah, regarde comment tu es ravissante. Vraiment très, très ravissante. Vous êtes aussi ravissante. Il prend vraiment bien soin de toi. Pourquoi tu as cette mine? Tu vas bien? Pas vraiment. Nous avons un tournoi de foot aujourd'hui et ma mère refuse de me laisser y aller. S'il te plaît, pour moi. Celui-ci, chaque fois qu'il ne touche pas un ballon, il veut seulement mourir. Tu vas rester partir, ici aujourd'hui. Maman. Juste aujourd'hui. Laisse-le, s'il te plaît. C'est vrai, laisse-le. Pardon, vas-y, laisse-moi tranquille. Ouais. Non, pas toi. Merci. Ok, pas de problème. Ok, au revoir. D'accord, au revoir. Vilain garçon, avance là-bas. Comme si elle avait son propre fils. Allez, vas-y, cours, avant que je ne demande à ta mère de changer d'avis. Ça va, passe. Juste en train d'utiliser son mari. Ok, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Ok, bye. Mm.
elle. Dis-le-lui. Je sais. Salut. Salut. Hey. Salut. Tu vas? Je vais bien. Ouais. Ouais, Souza, est-ce que tu as encore ce truc dont tu m'avais parlé? Tu sais quoi? J'adore toutes les saisons de la série Mission Impossible. Tu pourras essayer certaines de leurs techniques. Tu sais quoi? Je vais le tenter. Génial. Ouais. Ils ont beaucoup de coups incroyables. Je sais, n'est-ce pas? Alors, comment vont tes jambes? Oh. Ça s'améliore. Tu vas bien, n'est-ce pas? Ok. Mais les béquilles m'ont aidé. Je sais, je te l'ai dit. Je n'utilise plus la chaise. Ouais. Ok, ok, qu'en est-il de vrai, Elodie? Benita Onyoke. C'est vraiment difficile, vraiment difficile. Je crois que je vais choisir Stella ou Désé. Allez, ouais. Je viens tout juste de te parler de Rey ou Benita. Ouais, mais Stella est venue dans mon esprit en fait. Je l'ai choisie parce qu'il fallait que je libère mon esprit. Ouais, mais okay. On ne peut pas juger deux acteurs parce qu'ils ont deux styles différents. C'est comme Messi et Ronaldo. On ne peut pas les juger. Ouais, d'accord. Ils sont uniques en leur genre. D'accord. Si c'est ce que je pense, Rey et Moody est le meilleur. Ah, oh, mon Dieu. Je vois vraiment que tu adores les hommes à la peau foncée. Tu aimes les noirs de peau. Ok, Omaro, mais tu ne dois pas le répéter, d'accord? Mais franchement, cette comparaison que j'ai faite, je suis Messi et Ronaldo. On ne peut pas les comparer. Nous n'avons plus besoin de tes services, à présent. Mon mari et moi, nous avons une alternative. Quelque chose ne va pas? Nous pouvons le gérer d'ici, à présent, n'est-ce pas? Oui, oui, nous pouvons le gérer. Elle peut. Nous le pouvons. Merci pour tout, tes services. Pas de problème, ça a été un plaisir. Merci à vous aussi. Oh bah, oh mon pote. Hey.
Ça, c'est mon pote. Parle, mon pote. C'est un pote, mon pote. Ballon. T'as disparu de la circulation, mec. Mon pote. Mon pote. Comme je vous l'ai dit, le tout-puissant Aubameyang B était un grand acteur, un grand orateur, un enseignant convaincant, un homme qui, lorsqu'il entre chez vous, vous éteignez votre téléviseur, votre magnétoscope, en fait, tout ce qu'il pouvait, vous pouvez vous distraire juste pour l'entendre parler. Il est un homme très intelligent. Oh, tu peux le redire. Il avait un doctorat en sciences politiques de l'université de Moscou. Nous aimons tous le voir. En fait, nous l'adorons. Il y a quelque chose sur lui que nous ne savions pas. Je crois qu'il a été piégé. Oui, il a été piégé. J'ai été piégé. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Quand il n'avait pas assez d'argent pour payer les électeurs, ou même corrompre les commissaires qui sont venus pour les élections. Pauvre intellectuel. Oh, pauvre il ne faisait que jeter des billets de Venaira sur les électeurs. Comme un grand homme. Vous voyez? Aïe. En effet, il a réussi. Il a vraiment fait. Comme la nuit nous a incité à voler la voiture de l'un de ces agents du gouvernement qui est venu nous donner speech à l'université. C'était... Les méfaits de l'attaque politique. Oui, oui. Les méfaits de l'attaque politique. Même les hommes forts meurent aussi. Mais l'on reste toujours qui on est. Ouais, c'est ça. Vous savez que c'était la pièce que j'étais censé jouer le jour de mon accident. Non, vraiment triste. Mais rappelle-toi. Non. Que toi rêves pour une raison. Ouais. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup les gars d'être passés. Ça me va droit au cœur. Merci. Pas de quoi les gars. Allez, asseyez-vous. Laissez-moi vous apporter de quoi vous rafraîchir. Ouais. C'est très important. Très important. Asseyez-vous. Très important. Merci les gars, infiniment, d'être passés me voir. Voyons, je ne vais pas me remercier pour non, temps. Merci. En fait, c'est un plaisir d'être ici. Ouais, au barreau. Et que tu vois que tu te bois de l'air. Non, je te sens. Je me porte mieux quand même. Ouais, du courage, mais beaucoup de courage. Oh, ouais, merci. Nous espérons que tu reviendras bientôt. Je l'espère aussi. Vous savez, ça manque beaucoup, tout ça. Ce repas est... délicieux. C'est vraiment délicieux. Merci, ouais. Merci. J'étais toujours reconnu comme une très bonne cuisinière. T'es une très bonne cuisinière. Cheers. Cheers. Allez, tiens. Santé. Ok, tiens. Santé. Cheers. Merci une fois de plus. Le plaisir est pour moi, les gars. Je veux qu'elle revienne. Je croyais qu'on avait surmonté ça.
C'est ce que je veux maintenant, ok? J'ai besoin des noms. Non, pas du tout. Tu ne m'as jamais laissé essayer. Tu te contentes de me faire passer pour une idiote. Ta mère l'a fait. Les voisins le font. Et toi, tu l'as fait chaque fois qu'elle était ici. Mais bon sang, tu peux me dire de quoi est-ce que tu parles? Je refuse d'être dans la même situation qu'elle. Ok? C'est non, n'est-ce pas? T'es jalouse. T'es jalouse, n'est-ce pas? Écoute, il n'y a absolument rien du tout qui se passe. Je m'en fiche. Assez de ce sarcasme. Mais quoi? J'en ai jusque là. Du sarcasme? J'en ai marre. Quoi? Je suis fatiguée. Ce n'est pas une raison pour te mettre dans une telle état. Oh, pardon, assez. Non. Arrête. Je ne peux plus faire semblant. Alors, ce n'est pas aussi sérieux. Je voudrais juste que tu... C'est bon. Vas-y. Mets-toi avec elle. Mets-toi avec elle, sans T'en problème. Fais trop, là. Va en enfer. T'en fais trop, là. Ce n'est pas du tout, écoute. Et Sosa. Est-ce... Quand est-ce que j'ai dit que je voulais... Voyons. De la sorte. Je dois aller au travail. Non. Non, mais arrête ça. Non, je suis fatiguée. Hey, Oparo. Bienvenue. Oparo. Oparo, lâche-moi. Oparo, t'as que beau. Tu le fais à chaque fois. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de ces conneries. Allô, avocat John. Oui, je pense qu'il est temps de lui envoyer la lettre. Oui, envoie-la au bureau. Merci. Ok.
C'est incroyable. Dans quel délai tu veux que ce projet soit terminé? Professeur. Il n'est pas encore vendredi. Je suis fatiguée. Fatiguée? Es-tu chrétienne? J'ai grandi dans cet environnement. Que peux-tu me dire à propos de la Bible? Je n'en sais pas grand-chose. Dans toutes mes années de recherche, je n'ai jamais pensé à la théologie, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais récemment... Et vous avez découvert quelque chose là? Oui. J'ai découvert que les humains et les raisons ont été mélangés. Mais il y a beaucoup à faire pour restaurer la santé mentale. Et aussi dans ma découverte, j'ai découvert que j'étais du mauvais côté pendant longtemps. Et j'ai été injuste, jusque dans mes jugements. Nous traversons tous ces moments parfois. Et... Je ne sais pas quoi faire. Je suis en train de gâcher mon mariage. J'ai une fois mis ma fille hors de la maison pour un délit qu'elle a commis une fois. Je ne l'ai pas vue pendant un long moment. Mais j'ai fait cela pour que les choses se présentent bien. Alors, avez-vous essayé de la joindre? Non. Elle a causé en moi tellement beaucoup de douleur. Dans la chambre, toi, moi, tu te rappelles? Oh, à ce sujet, quoi qu'il se soit passé la nuit dernière, crois-moi, ça n'arrivera plus. Ouais. Une erreur, hein?
J'ai été témoin d'un accident sur la route Ikeja Maryland. Et je suis allé à la rescousse du jeune homme. Là-bas, je suis tombé sur des documents, une enveloppe qui contenait des papiers de divorce. Et je savais que le jeune homme souffrait vraiment. Il avait besoin d'aide. C'était mon mari. Ah, je pouvais l'associer. Je pouvais l'associer. Qu'il y avait cette différente douleur dans ses yeux qui demandait de l'aide. Un besoin très, très urgent d'aide. Alors, j'ai pris les papiers, je les ai déchirés. Vous l'avez fait? Ouais. Et s'il s'échappait d'un mariage problématique? Le jeune homme ne s'échappait pas de sa partenaire. Il fuyait le fait de la perdre. Alors, c'est... Comment vous savez cela? Ma chère, dans la vie, nous avons nos différences et nos similitudes. Et il n'y a qu'une chose que j'ai vue en cet homme. Et cette chose est la peur. La peur, ma chère. Tout s'est passé cette nuit, après que je lui ai envoyé les papiers du divorce. Je ne savais pas que ça allait causer ça. Ma chère, ton homme t'aime tellement. Repars et donne-lui une chance. Donne-lui une chance. Va, fais-le. Je ne peux pas. Donne-lui une chance, il t'aime. Mon mariage est détruit maintenant. Ma chère, tout ce qui est détruit peut être reconstruit. Il n'y a aucun mariage parfait dans le monde. Nous nous connaîtrons tous. Donne-lui une chance. Donne-la-lui. Vous retrouvez votre fille. J'espère que vous allez la retrouver. Hein? Que veux-tu que je fasse? C'est à moi que tu dis tout ça? Que veux-tu que je fasse? Elle est toujours ma femme et j'ai encore des sentiments. Hé!
J'ai envie de toi. J'ai besoin de toi. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je vais être la mère de tes enfants. S'il te plaît, pardonne-moi, bébé. S'il te ça plaît. Ça va. Je suis désolée. Lève-toi. Lève-toi. Je t'aime, bébé. Je t'aime tellement. Je suis désolée. Ça va. Je t'aime aussi, bébé. Ça va. Lève-cœur. Bébé. Surprise, hein? Je devais être la première personne à te dire que je vais bien. Quoi? Comment s'est passé ton projet? Très bien, merci. Ouais, super. Je n'arrive pas à le croire. Bébé. Ça va nettement mieux, rassure-toi. Oh, bébé. Je suis tellement content pour toi, bébé. Merci, bébé.